Avant d'être libraire, j'ai eu un métier qui paraît surprenant pour un libraire, c'est celui de footballeur professionnel. Donc j'ai débuté à Clermont-Ferrand, dans un club qui était au plus haut niveau amateur, et puis par hasard, j'ai été recruté par l'Olympique de Marseille. Et en 1988, je suis devenu professionnel à Rodez, où je suis resté 5 ans et où j'ai vécu une demi-finale de Coupe de France. Et puis me voilà, voilà. Là, je crois que c'est la dernière année à Rodez, puisque après ça a déposé le bilan. Et je crois que c'est un de mes derniers matchs avec Rodez. Que des bons souvenirs. En 1993, le club de Rodez Football dépose le bilan. Et sur un coup de tête, quelque part, après en avoir parlé avec mon épouse, on décide de reprendre une librairie qui était fermée depuis 3 mois à Saint-Chély-d'Apcher. Et le miracle a lieu, puisque ça fait 28 ans qu'on est à Saint-Chély et on a connu une reconversion finalement très réussie. Ça démontre une chose, c'est que tout est possible dans la vie, c'est simplement une question d'énergie. Je ne sais pas si ça se dit dans le milieu de la librairie, mais effectivement c'est l'amour des livres qui m'a fait ouvrir avec mon épouse cette librairie. Donc c'est une aventure qui débutait très mal puisqu'on n'avait aucune formation. Et donc on s'est formé sur le tas. Au fil des années, j'espère qu'on a progressé et ça fait que la librairie a perduré. Marie-Pierre partait de beaucoup plus loin que moi, puisqu'elle était maître d'hôtel dans un étoilé Michelin chez Proez à Aumont. On avait 2 enfants, elle n'était pas fondamentalement passionnée par la lecture et elle s'est adaptée très vite à ce rythme de vie et puis à cette passion qui était le livre. Et finalement, elle s'en est bien sortie puisque elle est comme un poisson dans l'eau maintenant et c'est un bonheur pour elle de venir à la librairie tous les matins. Quand on a choisi Saint-Chély-d'Apcher, c'est qu'on véritablement on voulait vivre dans le milieu rural. Et pour moi, être libraire à Saint-Chély, ça fait partie des liens sociaux. C'est véritablement un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Et je crois que ça a son importance dans une petite ville. Le lien humain, bon, qui a tendance à disparaître, est pour nous très important. Je pense modestement, ce qui a fait qu'on ait survécu au site marchand et Amazon, c'est le conseil. C'est-à-dire que pour moi, une librairie indépendante, c'est faire acheter plus que vendre. C'est-à-dire que le conseil est très important. Et la fidélisation d'une clientèle passe par là. Sans ça, je pense qu'il est extrêmement difficile pour une petite librairie de survivre. Et c'est ce qui fait que les gens reviennent.